première fois ici à Vancouver, nous accueillons notre frère Michel Bakenda à Vancouver. Si je ne me trompe pas, c'est votre nom? Oui. Ouais. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir. Merci. Merci d'être venu. Pour ne pas tarder, je veux que tu puisses t'introduire et dire qui est Michel Bakenda. Ok, merci pour l'accueil. Michel Bakenda, c'est un adorateur de Jésus. Quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus et l'a donné sa vie depuis 2003. Et donc, je suis modérateur au sein d'une église à Kinshasa, Sacre Évangélique Silo, qui coordonne le pasteur Jean-Baptiste Sombela. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait grâce d'être auteur et compositeur de plusieurs opus. Et c'est en fait ce travail qui nous permet d'aller par-ci par-là pour le compte de l'Évangile. Ah, merci beaucoup. Mais vous avez visité la ville, est-ce que vous avez vu? Non, je me... Comment était l'accueil donc? Alors, tout était au rendez-vous. Le peuple, la communauté congolaise ou encore le peuple de Dieu de Vancouver, c'est un peuple fantastique. En tout cas, nous avons béni le Seigneur pour le séjour ici. Est-ce que c'est votre première fois d'arriver ici? À Vancouver, oui. Michel Bakenda, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre vie chrétienne? Bon, si je dois parler de ma vie chrétienne se porte bien par la grâce de Dieu. Nous efforçons à marcher avec le Seigneur tout en espérant à son retour et pensant qu'un jour l'agneau reviendra nous prendre. Donc voilà, c'est ce qui compose notre espérance. Ça, c'est l'importance. Donc, avez-vous un star préféré? Oui, j'ai une star préférée. Bon, il faut dire que nous aimons beaucoup plus employer les termes modèles. Modèles, oui. Voilà, j'ai des gens qui sont des modèles pour moi. Il y en a quand même assez, mais il y a notamment le bien-aimé Henri, Papa Moulage. Ouais. Il y a Papa Franck Moulage également, le pasteur Adams. En tout cas, ceux qui font de la bonne musique ou qui font bien les choses de Dieu, je n'hésite pas de les avoir pour modèles. Ouais. Vous savez, il ne faut jamais hésiter d'imiter ce qui marche ou de bonnes choses. Voilà. Yeah. Simplement ça, c'est bon. Il y a une chanson là vraiment qui m'a inspiré. Oyemba ki bola mouya nzambe et l'équipe. Est-ce que tu peux nous dévoiler un peu les secrets là, bola mouya nzambe ou mona ki nini? Ouais, vous savez, il ne faut pas causer la rose à un million. Bon, Oyemba bola mouya nzambe. Bola mouya nzambe, il bosse bandana na souffle haut aux yeux. Donc, quand je dis bola mouya l'équipe, elle est. Parce qu'à Batelinga, à Bundelinga, et puis j'ai continué à espérer qu'on puisse en assouiller des lignes. Voilà. Ça, donc moi, quand j'ai regardé ça, il y a au moins un million de plus de gens qui suivent ça. Oui. 390 personnes qui n'ont pas aimé ça. Bato Baini, Bola Manzambe. Est-ce que tu te soucies de ça? Je ne suis même pas au courant de ça. Vous savez, moi, je ne m'occupe pas de ceux qui n'aiment pas. De ceux qui doivent exister, mais je ne dois pas m'occuper de ça. Quel est votre instrument préféré de la musique? C'est le piano. Le piano, est-ce que vous jouez au piano? Je gratte un peu. Là. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer la chanson À quoi bon sert? Ouais, la chanson À quoi bon sert, c'est une chanson qui nous interpelle, nous fait tout simplement voir qu'il ne suffit pas de gagner l'humanité, de gagner le plaisir de ce monde et de faire son âme à la fin, ça ne sert pratiquement à rien. Il faut se mettre en question et savoir que le Christ reviendra et la mort est toujours nous supportant. Merci beaucoup, frère Michel Bakenda. Le temps n'est pas pour nous. Donc, juste un message pour la communauté vancouveroise au Canada. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un message d'encouragement, d'amour. Le Seigneur vous bénisse. Vous êtes un peuple merveilleux. Je prie pour que la faveur de Dieu s'accroche encore à vous. C'est un temps où Dieu a sélectionné cette ville afin de pouvoir faire des grandes choses. Donc nous ne sommes que des signes. Je pense qu'après nous, il y aura le bien-aimé Mike Galambay qui viendra. Et aussi nous vous promettons que par la grâce de Dieu, tant d'autres bien-aimés viendront. Car nous voulons vraiment, vraiment allumer ce feu de gloire ici à Vancouver. Merci beaucoup, vraiment enchanté de vous voir. Espérons que vous allez rentrer la prochaine. Merci d'être sur la chaîne Afro-Canadian CCTV. Merci beaucoup. Je vous en prie.